Salut à tous et à toutes, bande de gens, nous sommes de retour sur The Binding of Isaac Repentance. Aujourd'hui, on est sur l'épisode bonus 8, parce qu'on va faire le 8ème Daily Run qui va nous donner un win streak de 3. Et alors, sans plus tarder, allons-y, c'est un Daily Run avec Isaac. Ouais, c'est parti! Et on a le D6. On a le D6, ça c'est cool ça. Et on doit aller jusqu'à The Lamb, je crois. Ça risque pas d'être un problème, il y aura. Enfin j'espère qu'il n'y aura pas trop de spoilers sur la route. Ouais, j'ai réactivé ça pour Méga Satan, mais là maintenant que. Je suis en mode normal, ça devrait y aller. Ça devrait aller. Voilà, c'est mieux. Je l'ai utilisé rapidement parce que j'avais peur de perdre ma charge sur ces. Sur ces trucs. Ok. Je suis même pas allé dans le shop. J'oublie tout le temps que le shop est toujours ouvert. Ça. Maintenant qu'il m'a donné un souleur, autant tout ramasser. C'est parti, monstre. Clot, et on peut descendre. Non.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ok, là on a Yves Mascara. Je sais pas si c'est une bonne décision. Je sais vraiment pas. Je vais reroll. Oh, c'est quoi ça? Blood Puppy. Il est adorable. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est adorable. On va voir ce qu'il fait. Tu fais un truc, toi? Oh, on dirait que c'est juste un. On dirait un Super Meat Boy. Ouais, je pense que. On dirait juste un Super Meat Boy normal. La salle secrète est là. Ok. Non. Ouais. Je pense que je vais prendre une charge juste pour le Devil Deal. Enfin, ou pour l'item du banc, je pense que je vais passer le Devil Deal. Oh, waouh, quoi, non, 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 qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Je peux le tuer là? Ouais, je peux lui faire mal. Mais ça fait quoi du coup? Bah déjà je vais prendre. Est-ce que je vais prendre le placenta déjà? J'ai pas envie d'aller dans le Devil Deal parce que les Angel Deal c'est quand même pas mal. Ouais, bof. Hangman ça m'aide pas non plus. Aïe. Alors, je vais sortir de la salle pour voir si c'est calmé là. Non, il se calme pas. Est-ce que je dois le buter? Il a beaucoup de vie en tout cas. Hein. On va juste passer à l'étage suivant et on va voir comment ça se passe. J'espère que c'était pas une erreur de prendre ce truc. Non, toujours vénère, toujours vénère, toujours vénère. Ouais, alors, c'est un gros problème là. On a un gros problème. Je pense que je vais perdre à cause de ce truc. Attendez, je vais juste voir ce que ça fait sur Wiki parce que. Je pouvais pas juste perdre à cause de ça. Ok, alors, lui faire mal va le rendre pacifique. Donc, j'aimerais que tu te calmes, mon bonhomme. J'aimerais que tu te calmes. Genre, là maintenant.
il donne des cœurs rouges aussi. Voilà, il est tout mignon. Il est tout mimi. Méconium. Ça va me donner des cœurs noirs, ça. Ah, j'en ai quand même trouvé le trésor room en premier. Dry baby, ouais. Ok. Stapler, ok, ça c'est bien. C'est bien, hein. Je pense que j'aimerais quand même partir avec un objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais reroll la clé, tout simplement. Voilà. Star of Bethlehem. Je sais pas trop ce que c'est. Oh. Ah, c'est comme un Hallowed Ground, mais qui spawn au milieu d'une salle, on dirait. Intéressant. C'est bien ça. Ah, on dirait que. Ah, et ça, ça se dirige vers la salle du boss. Mais putain, mais oui. Regardez, ça se dirige lentement vers la salle du boss. Putain, j'adore le design de ces items. Bon bah on va faire le boss en premier alors. Bah, je vais faire une salle en plus, comme ça je suis complètement chargé. Non, non, il est vénère. Juicy sac. Ouais. Faire ça.
Ah! Non, arrête, s'il te plaît. T'es pas gentil. T'es pas gentil. Attendez. Voilà. Hip. Voilà, putain. C'est un rebété là, mais il est énorme cet objet. Énorme. J'aime bien Binky, je vais le prendre. Et du coup, il reste à la salle du boss, hein. On peut rien faire à propos de ça. Non, 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 mes charges, mes charges. Ah. Oh, une librairie. Ça, c'est beaucoup arme, ça. Bah, j'ai pas de clé. Putain, je savais pas que ça pouvait dropper que d'être 4, moi. Non, pas de clé. C'est quoi ça? Ermite. Avec ça, je pourrais avoir une clé. Je vais déjà prendre ça, et ça, et puis ça. On a quoi? Soul of Azazel. Il en a un Book of Shadows. Allez, viens ici, toi. Je vais le pacifier à la main. Voilà. Et on va reroll ça. Book of Révélation. Ouais, c'est. Soul Art en plus. Oula, mais du coup, j'ai le Holy Card. Et j'ai aussi ça. Je vais garder cela à Zazen, mais seulement pour. Parce que ça a l'air intéressant. Je suppose que c'est juste un forme de brimstone temporaire. Allez, c'est parti. Allez, tu peux aller plus vite, hein. Ok, ça continue à gauche. Ah, mais oui. Ah, pardon.
Ok, c'est par là, c'est par là. Ah ouais, genre il s'est homing en plus. Putain, c'est vraiment bien. Pas d'équilibre tenté ici. On dirait pas. Bon, ouais, je vais attendre patiemment que ce truc vienne, hein, parce que les DPS, ils vont pas arriver tout seuls. Ah ouais. Ouais, c'est, je dirais que c'est, je dirais qu'il y a une forme de, c'est bien quoi. C'est un méga blast quoi, c'est juste un méga blast. C'est excellent, j'aime bien. Tac, voilà, super secret, juste ici. Lui peut me donner des charges. Il faut que je trouve l'item room avant. Oh putain, cette salle. Ok. Anarchist Cookbook. Hein. Ben, ce sera Bookworm pour nous. Ouais, reroll ça. Kibum. Dégueu. J'en veux pas. Je n'en veux pas. Cette salle va nous donner des charges. Ouais. Mais putain, mais. Oh là là! Putain, on a perdu tellement de vie. Attends, j'aurais pas dû prendre Dead Cat. Ah, mais... Bordel de merde. Est-ce qu'il va dans les pics? Est-ce que s'il va dans les pics, il se fait mal? Non. Il est immunisé au pic. Birdcage. Ouais, ça va. C'est comme les Dead Burn. Sauf que bah, il est très gros et il fait des dégâts de zone. Ah putain. Je vais me recharger. Puis on sera bon. Hein? Ouais, c'est bien ça aussi. Allez, tâche suivante.
Voilà. C'est par où? Vers la droite. Vers la droite. Ah, ça explose. Hein? Mais il va te faire foutre, toi. Ok, alors c'est mom, donc je vais pas y aller. Tu viens toi? Oui. Un bedroom. Ce serait bien. Ouais, et en plus, oh, il est propre en plus. On peut dormir là-dessus là? Non, on peut pas. Ouais. Ouais, non, j'aime bien. Lost Contact, c'est beaucoup mieux que Firemind. Super. Mais putain, comment il a fait pour faire ce drift là? Ouais. Ouais, Ouais, ça. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Je vais même aller bomber le miroir pour avoir plus de pilules. De health up. Voilà, je commence à regagner espoir. Espoir, oui, espoir. Oh oui. Oh oui. Alors je prends ça. Je vais bomber ça. Et... ouais, de la grosse merde. Je vais bomber lui aussi.
Voilà. Je reroll. Ça envole. Et ça, mais c'est... Mais oui, j'adore Icarus. J'adore. Et on peut passer à l'étage prochain. Ok, là on est bon, là. On est bon. On peut voler. On aura des Angel Room. On aura deux Angel Room garantis prochainement. Alors, tu vois, c'est ce qu'on appelle une impasse. D'accord, au revoir. Le truc, il passe par les secrets de roue, il en a rien à foutre. Ah mais... truc qui me fait des attaques surprises. Ça nous sert à rien, vu qu'on a déjà Eucharist. Ok, c'est parti pour le boss. Ouais, Shield of Trinity. Trinity Shield plutôt. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Attendez, je vais quand même voir ce que ça fait les effets du confessionnal. Du truc. Confessionnal. Voilà ça. 30% de payout. Ça peut donner sous l'art. Donc, vu que j'ai quelques cœurs rouges qui traînent. Non? Ok, bon. Bon, allez, encore un. Même pas, ok, quel putain d'égoïste. Tac, et on est sain.
que ça va assez loin. Ouais. Ça, je prends, merci. Je pense qu'on va un peu trop vite pour, un peu trop vite pour la lumière. On va me faire quelque ça là-bas. Il prend son temps, il prend son temps. T'allais péter cet objet. Il est tellement bien. J'ai rechargé tous mes. Enfin, j'ai rechargé mon D6 en premier. Je pense que je peux aller dans le Curse Room. Non, 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 mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais bonhomme, méchant, t'es méchant. Bah, c'est téléporté. Ok, c'est bon. J'ai assez de dégâts pour le rendre dans un état, enfin, pour le remettre dans un état stable. Ouais, Judgment, ouais. Ouais. J'ai une charge qui me manque, mais il sera complété par le boss fight. Oh putain de merde. Ok, c'est parti. Bah, tu sais quoi, je vais même pas les prendre. Enfin, si, je vais en prendre un. Puis deux. Et on doit descendre. Pimpin. Qui veut s'approcher, qui veut s'approcher. Aïe. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une salle secrète ici ou. Berkano. Avec voilà, pile de pick-up. On peut pas s'en priver, hein. Allez. Ah,
C'est par là? Oui. Don't mind if I do. Faut que je regarde ce que c'est que ce truc hein, sur le wiki hein, parce que on dirait un sort de mini-boss. Hein. Lucky. Justice. Attends, ça va charger le. Voilà. Tac. En cœur. Panic button, je vais voir ce que ça fait. Panic. Button. Ça active l'objectif si on se prend des dégâts. Donc non, non, j'ai un D6. Ce n'est pas ce qui est le plus avantageux. Tu te calmes. Voilà. Ça tend à la poubelle là. Viens Dice Room. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit si j'y vais donc. Ouais. Dark Room, c'est parti. Bam. Oh. Oh. Wow. Wow. Ça c'est quoi? C'est des bombes à brimstone, on dirait. Mais j'avais pas ce... Oh. Je vais prendre ça. Ça réduit même pas mon tiers. Ça les réduit même pas. Oh, c'est quoi ça? Anima Sola. Oh. Ça enchaîne des ennemis. Je vais quand même recharger mon D6 en premier. Alors ce que je vois, y a pas l'étoile de... Enfin le truc que j'ai ramassé. Je vais reroll les objets en haut. Putain, c'est sympa qu'ils ont remplacé les trucs avec des... Non, non, Anima Sola! Anima Sola! Damage up. J'aurais voulu le tester un peu plus, Anima Sola, mais bon. Que puis-je y faire?
Voilà. On va reroll ça. Paum. Infestation 2, c'est juste. Spider Baby en plus. C'est juste excellent. Bon, là, vu qu'on a que des boss, c'est moins bien, mais. Ça a toujours son utilité. Spelunker Hat. C'est. Ouais, bah. Je sais qu'il y a une salle secrète ici, merci beaucoup. Comment j'évite ça en fait? Mais merci beaucoup, espèce d'enculé! C'est même pas bien. Donc ouais, Dolem, c'est parti, je suis assez confiant sur ce coup-là. Ah, mais il est là. On n'en fera qu'une bouchée alors. Excellent. Comment ça, NA? D'accord. Bon, bah, j'ai quand même eu l'écran des scores, donc je suppose que ça que je enfin je considère ça comme un win. Donc ouais, voilà. Ce fut l'épisode, enfin l'épisode bonus numéro 8. Le prochain Deliron sera disponible dans 1 heure, donc. Ouais, bah qui s'ils a aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.